racine terra serrée, c'est de la merde. Lumière du Nord. Attends, fais voir. Démolisseur. Oh, elle est en adamantium. Chemise de maille en mitrale. Protection, ceinture aux forces de chaîne, carte de résistance. Après, elle est bien, mais c'est une rondache, donc je m'en fous un peu. Et ça, elle est en adamantium, ce qui est quand même assez fou. Après, Osef. C'est tellement cher. C'est cher, mais ça vaut la peine. Right here, my friend. Oh. Octavia n'est pas avec nous, merde. I do what I must. Ça, c'est pas la bonne OST, calme. Lindsay porte une charge trop lourde. Merde, j'avais une potion d'agrandissement là à l'instant. Où a-t-elle bien pu passer? Je viens de me faire baiser une potion d'agrandissement là? Ouais, apparemment je viens de me faire baiser une potion d'agrandissement. Ok, donc deux potions d'agrandissement baisées. Ok, pas de problème. Vexant. What you want? How may I help? Depend on me. Something bothering you? Ah, fine. There are other ways to cast a spell. On est bon.
T'as qu'à dormir, ça fait perdre du temps. You amaze me, Lindsay. You've seen so many gruesome, vulgar, and disgusting things, but kept your childlike joyfulness and spontaneity. It's such a beautiful gift. I couldn't understand that. Was it a praise or a subtle insult? Grand comme ça, des enfants à vos yeux. Lindsay, joignez-moi sous la tente ce soir. Mais, Baron, vous pouvez pas... Bien sûr que si. Baron, vous n'y pensez pas. Elle ressemble à une enfant. Ah, je vois. Ressemble étant le mot important. Légal. Loyal mauvais. Follow if you dare. Pourquoi a-t-elle deux points de force? I wrote it like I saw it. We should move. Vous avez pas dormi? In due time. I'll take care of it. And Lindsay was called for. Anything is possible. Share your troubles. Patrizio Turinos! I'm there. Patrizio Turinos! My skills are absolute. Alma, Sol, Taya. Oh, la chemise de maille. I am never wrong. I do what I must. I'm always ready. I still remember that elk you downed for us.
I love it when you hunt. You always bring back something delicious. Thank you. Lindsay, laisse l'autiste tranquille. Si ça vous dérange pas, je préfère le thème concentré. Ça, c'est... Je vais être sincère. Mes onomatopées favorites, ça restera toujours le... dédaigneux. Qui est malheureusement absent de tout doublage japonais ou américain et très rare dans les doublages français. Dans les doublages japonais, ils sont là. Constamment, tu vois. Alors qu'une vraie réponse valide, c'est « je préfère le thème affûté ». Qui est un mélange entre « je t'ai entendu », « je... tu ne m'as pas convaincu » et « et c'est pas grave. It's time to act. In due time. Follow if you dare. Joli. Félicitations, Ekundayo. Ton autisme a encore été extrêmement utile. Je vous ai dit, je préfère le thème affûté. Mais vous êtes très futé, ça fait aucun doute. Lindsay, arrête de te moquer de l'autiste. Tristian. Monseigneur. Mort-vivant. Ah, très bien, Monseigneur. De la poudre d'or. Trident, cidre, belle peau. Gaiman ne pouvait pas avoir connu beaucoup plus de 16 ans. Son visage ensanglanté porte les stigmates de l'horreur. Quel dommage. Une lettre maculée de sang. Merci.
Rebelle, vous avez été sélectionné par la présente, je vous nomme chef des loups d'Alazar. Félicitations. Nous venons de recevoir de nouveaux ordres. Les éleveurs de villages voisins ont organisé une collecte et nous ont engagés pour tuer le cyclope qui décime leur troupeau depuis des années. La somme est maigre, mais l'action est bonne. Notre nombre fait notre force. Autant essayer d'affronter le cyclope à découvert. Il faut empêcher de se terrer dans son antre. Votre objectif est simple, regrouper le reste des recrues près de la grotte des marches de Narl, attirer le cyclope jusqu'à la prairie où le gros de nos troupes l'encerclera et le neutralisera. Je vous expliquerai la mission plus en détail en tête à tête. Je compte sur vous. Capitaine Alazar. I'll take care of it. I'm off. Ils ont été tués alors qu'ils étaient en train de s'enfuir. We should move. In due time. Il y a une enquête là, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Hein. Ça sonne suspect as fuck. Bah quoi, y a rien de suspect. Ils étaient mauvais, ils sont morts, c'est tout. Ce n'est pas de ça que je parlais, Amiri. Le goulet de Saint-Galvan. Et c'est une caverne en l'honneur de Sarenrae. Donc c'est bien que Tristian soit avec nous. I'm there. Ah, un piège. Des roues de chariot. Il semblerait que celui-ci soit parti très vite. Jesus! It's time to act. Un homme élégamment vêtu et bien armé. La surprise et la peur sont vigées sur son visage blême. Oh, ce pilier ne semble pas pouvoir être réparé. Une tête de bouc est gravée dessus, une nuée de mouches semblant s'échapper de l'orbite. De l'orbite vide et unique. Il s'agit du symbole du cavalier de la pestilence, l'archidémon qui siège sur le trône des mouches, des quatre seigneurs d'Abaddon. Ces ouvriers n'ont jamais eu la moindre chance. Des roues de chariot. Confide in me. I am never wrong. I'm there. Oh. I'll take care of it. Des os, des crânes. Rien de bien intéressant. In due time.
Non, bah, il y avait juste un gros enculé de cyclope. Tu vas pas dans la caverne, Bob? Je peux pas y aller. Tu peux juste l'observer. Tu vois, c'est fait. For the spot to rest. No. I'm hungry. When we stop. S'occuper des faits, découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe de fées venant de la forêt voisine est à l'origine de toutes ces infortunes. Il est grand temps de rendre visite à ces petites putes. Parfait. Monseigneur, Knock Knock a trouvé. Ce sont les fées. Monseigneur, nous devons prendre action. Mais c'est ce qu'il a dit. Ah bon? Il a dit, quelle surprise! D'un ton sarcastique, puis a ordonné leur exécution massive et totale, ainsi que leur sacrifice à la Machetou. Bon d'accord, peut-être pas le sacrifice à la Machetou. Et pour tout le reste, c'est vrai. Ah merde. On était pas prêts.
Ça se bat contre quoi là? Contre des saloperies mentales. Notamment des fées. Done with waiting. How may I help? Inimosi, Travisi. Amranda Gratior. Amorare Sentes. I shall end this suffering. Is one. Do not falter. Quel bordel! Thank you.
Dommage, c'était pas là qu'il fallait le faire, mais... Cannot hide from me. Ces squelettes font un effort honorable. Ce magique dispel aurait été tellement utile. There are other ways to cast the spell. Agrizio Turino!
Oh, Valérie qui peut rejouer, putain. Onward. Stay behind me. On ne peut rien faire. This will hurt. You should have run. Moi, c'est bon, il s'est relevé. Je peux pas attaquer, très bien. La salope. Allez. Ouh, ça touche. Invisibilité suprême. Ouch. Ok, je peux mettre 4 attaques, let's le max. Même si l'invisibilité suprême, ça va finir par toucher. Non, ça n'a pas touché. Compliqué, hein. Oh, ça touche! Raté, mais ça a buté une image miroir. Raté. Tac, ça touche. Et ça arrête. Enfin, ça rate. Allez, il faut achever la Nixie. Mirage miroir, putain de merde. Oui, pute. Je l'ai mordu. Yes. Plus clean. Time.
I'm there. Ah bah, très bien. Fragment de métal céleste. Cool. Look ahead. I see something. Applause, please. Whew. GG mon petit Bob. Ah, compliqué, hein. Mais on a réussi à buter une nymphe très rapidement dans le combat et c'est ça qui a fait la différence. Hein. Tournevis espampillé du sigle de la ligue technique, ok, une serpe. Ah, un coffre bugué, d'accord. I do what I must. Et encore un morceau de métal céleste. C'est le morceau du Buster de Megaman. I'll take care of it. I'm off. Ces katas ont quand même vendu chèrement leur peau. Hein. I'm there. Il faut que le dragon vienne, d'accord. Ouh. Bien joué, Bob. Ouais, non, je suis plutôt content. L'ouverture qui va pour ouvrir un coffre et là bim, un coffre buggy. Merde. Non mais voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'on vient de faire, ça a incredible value. Où est le temple perdu infini. C'est pas ça. Profondeur des ténèbres, c'est ça. Hein. Ok, c'est ça. Ouais, mais là on était, on rentre à la base. Ok, la base la plus proche. Ça me fait faire une route folle. Ça me fait refaire toute la région si tu veux. Ah. Bon bah pas mal. C'est leur métier de péripatéticienne qui veut ça. Bah non mais... Tellement content d'avoir pu buter les nymphes. Elles sont tellement chiantes avec leur contrôle mental. Et Lindsay qui a foiré son dispel. Qui aurait été juste dingue hein, au passage. Ok. Quelles sont mes quêtes?
Assaut. Ah oui, il faut trouver les trois armures d'assaut. Le groupe de fées. Les fées, il faut leur casser la gueule. Attendre que Minix prenne un souhait, ok. Le licorne des marches, il faut. Prochain rebondissement dans 18 jours, ok. On a le temps de se préparer. Augmenter les statistiques, blablabla, très bien. Et après, il faut absolument qu'on retourne à Varnhold. Alors, question, est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'armure assaut? Les trois morceaux. J'aurais bien récupéré ça au passage, tu vois. Mais là, on va se diriger vers Varnhold. Octavia, Régongar échangent un regard et se mettent à parler en même temps. Vous croyez? On savait que la Ligue Technique ne renoncerait pas à nous mettre la main dessus. Elle vient d'envoyer un agent ici, dans la capitale. Quelle impudence! Comment savez-vous que c'est un agent de la Ligue Technique? Il s'est installé dans une taverne où il paye avec de l'or numérien, sans oublier qu'il se renseigne sur Reg et moi toute la journée. Il pourrait certes ne pas être au service de la Ligue Technique, mais on a de toute manière quelques questions à lui poser. Que comptez-vous faire? À votre avis, suffit d'arriver coincer sa vermine. Après, c'est pas bien compliqué de lui soutirer des informations. Rex, ça peut attendre. Je préfère commencer par une conversation histoire d'en apprendre plus sur les projets de la Ligue. Elle n'a sûrement pas envoyé un agent isolé, et si on trouve les autres... On tombera aussi sur les pontes, ah ah. Très bien. Allons voir ce que la Ligue Technique manigance par ici. Parfait. On vous attendra à la taverne. Ah. Son chapeau est trop grand. Bonjour, votre grâce. Laissez-moi atténuer votre accas quotidien avec un humble présent. Le sceptre d'intrépidité. J'ai une commande spéciale. Je veux un bâton. Vos désirs sont des ordres. D'accord. Bokai fouille dans son sac. Quelque chose de la part du vieux Boken. Rappelez-moi qui vous êtes et ce que vous faites. Faites-moi quelque chose de spécial. Je veux plus d'aisance. Enfin, j'ai changé d'avis. Faites ce que vous pensez faire le mieux. Salut, c'est sur de grâce. Dragne. Ah oui. Salutations, votre grâce. Je viens faire un travail et un don généreux en retour. Eh ben, allons-y. Acceptez ceci. Un marteau de guerre de haine. Rappelez-moi qui vous êtes et ce que vous faites. Et j'ai une requête pour vous. Forgez-moi quelque chose dans le style nain. Ah, votre grâce, veuillez accepter ce modeste présent en gage de ma profonde affection, de mon respect et de tout ce qu'on est censé dire dans ces cas-là. J'espère que ça vous plaira. Anneau épineux. Rappelez-moi qui vous êtes. Magnifique, Jard. Je voudrais commander quelque chose. Une bague, une amulette, un bandeau. Un bandeau. Très bien. J'ai des esquisses par ici. Mais c'est pas vrai. Votre grâce, j'apporte des cadeaux. Qui êtes-vous? Je veux une épée à deux mains. Bonne idée, pourquoi frapper d'une main quand on peut y mettre les deux? Mais ça n'en finit jamais! Votre grâce, je tiens à m'excuser une nouvelle fois pour les mauvais tours que Sartain nous a joués. J'aimerais, pour retourner dans vos bonnes grâces, vous offrir un cadeau magnifique, mais la forgée va me prendre du temps en attendant d'accepter ce modeste présent. Il n'est pas maudit, je l'ai vérifié trois fois. J'espère que vous apprécierez la qualité de ce cadeau, il est bien supérieur à n'importe quelle arme que pourraient forger les maîtres de ce pays. Qui êtes-vous? Vous respectez notre marché, c'est tout à fait louable. Je fais de mon mieux pour vous servir. Salutations, votre grâce. Je vous apporte quelque chose.
une cape extraplanaire. J'ai besoin de vos services. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Une robe décente pour un mage. Des vêtements vous rendront irrésistibles. Vous avez blanchi mon nom de ces calomnies, je vous dois tant. Vous m'avez libéré de prison et m'avez donné une chance de faire le travail de façon honorable. Mais ce n'est pas par hasard si je me suis arrêté près de votre domaine. Je préfère pas en parler ici. Rendez-moi visite à mon village et on pourra en discuter. Ah. Je vous salue, ô très digne souverain. Comme convenu, j'ai une artisan voudrait blablabla suivi la voie des maîtres forgerons tel que me l'avait prédit l'humain parfait. D'accord, elle a besoin d'aide. Ok, j'irai à son atelier. Lindsay. Il y a des troubles au village de Lac Macharganté. Une artisane de votre connaissance a disparu. C'est Mime, un berger du coin l'a vu cheminer en direction du pic de la Serre. Elle avait un sac sur le dos mais n'a pas songé à lui demander où est-ce qu'elle se rendait. Vous devriez partir à sa recherche. Ça fait quelques jours qu'elle est partie, elle a peut-être rencontré des problèmes. Grosse journée. Follow if you dare. Alors, voyons voir. Oh là là. Marteau de guerre de haine. Massue plus 2. Cette chemise de maille d'assassin, par contre, est incroyable. Cette chemise de maille en mitral aussi. Armure de peau plus 3. Chemise de maille étincelante. Résistance à tout. Anneau de protection. Anneau épineux. Homme crépitant. Armure naturelle. Armure des points invincibles. Cape de résistance. Huile d'altération. Cap extraplanaire. Plus 4 à la constitution et peut lancer convocation de monstre V. Convocation de monstre 5. Oh là 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 là. Oh. Variété plus 4 à la constitution. Ce serait formidable pour elle. Ah mais ça comment ça s'appelle? Sa ceinture fait déjà ça. Ah, j'en ai déjà, très bien. I'll take care of it. I'm there. It's time to act. Excellent. Ça.
Oh là 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 là, le prestige. Dommage que Cœur Valeureux soit une meilleure armure. En plus, elle est en mitral. C'est une armure qui est incroyable. Mais en écaille de dragon, c'est ouf. Base du bombardier, c'est très bien. J'étale la cuirasse de l'au-delà, c'est très bien. 29 d'armure et ça, 28 d'armure. Il est moins efficace avec une armure qu'avec, c'est fou. Octavia avec sa robe. Ah. Chemise de maille plus 2. Chemise de maille étincelante et chemise de maille en mitral. Excusez-moi. Bien ça. Dommage parce que l'armure noire, elle avait un charisme absolument fou. Ah, j'hésite même à la mettre. Ah, mais elle est en adamantium. Ah putain, j'avais oublié ce détail. Ah la vache, parce qu'en fait, regardez, elle a un peu plus de chances d'échec et plus 4 dextérité max, donc ça veut dire qu'elle me bride un petit peu, mais elle est en adamantium. Ce qui veut dire que j'ai une résistance de dégâts. Par contre, ça me donne que 1 point de résistance d'armure. C'est nul. C'est pas beaucoup. Mais regarde le style que je pue avec, quoi. Parfaite pour Egongar, je suis en train de me rendre compte. Tes boots gâchent tout, tu rigoles? Les boots à moumoute imbloquable? Ready.
My skills are absolute. It's time to act. I do what I must. Parfait. Alors déjà... Ouh. Ensuite, marteau de guerre de haine, ça s'ajarte. Massue plus 2, ça jarte. Certes spécial, ça jarte. Trident plus 3, ça jarte. Armure matelassée plus 2, ça jarte. Maille et légère en mitral. Ah. Un instant. Ouais, je suis désolé. Tu vas juste mettre... Je sais bien qu'elle est folle cette armure, mais elle vaut 15 000 balles quoi. Ensuite, cuirasse plus 2, 1000 balles c'est vendu, anneau c'est vendu, point invincible c'est 4000 c'est vendu, les capes nulles c'est vendu, cette potion ça vaut pas très cher. Et ben voilà le pognon qui rentre. Octavia, vérifie si tu peux apprendre... Oh oui. Oh, les sortilèges de haut niveau, genre niveau 8. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, ça fait du bien, putain. Ouf. What's new? I'm always ready. La gestion d'inventaire, hein, vous savez ce que c'est. Voilà. I am never wrong. My skills are absolute. I'll take care of it.
J'hésite. Un Jubilost, ça peut être bien. Ouais, il faut une attaque à distance. Quoique l'avatar. Quoique elles sont pas très utiles, les sœurs. Hein. Je vais être sincère, elles puent un peu la merde. C'est peut-être parce que j'ai pas appris à avancer correctement, mais pff, quelle angoisse. C'est des monstres au niveau DPS, les sœurs. Bon. Pas compris comment elles marchent. Jubilost, la grenade. Allons-y. Putain, ils veulent que j'aille au pic de la serre. Aïe, 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 aïe. Il va y en avoir pour des kilobits. Bon, là, au moins, je peux me téléporter à Haut-Renard et aller au comptoir de l'aigle rapidement. Quelles sont mes quêtes? Trouver Mime, d'accord? C'est ok, il faut faire ça rapidement. Il faut que j'aille voir Shania, Charelle, m'occuper des fées, et je sais pas où elles sont ces fées. Ah oui, putain, il y a ça aussi. Chose est sûre. Très bien. Alors, sort level 5, corps élémentaire 2. Croissance animale. C'est uniquement pour les animaux, ok. Génie. Oh, tu peux te transformer en djinn, c'est stylé, forme bestiale. Métamorphose, taille jouée.
en créature consentante, en léopard ou en petit élémentaire, métamorphose funeste, transformant la cible en chien. Localisation, c'est bien. Brume mortelle, cône de froid, débilité. Débilus. Domination, jet d'acide, magie des ombres. Prison de glace, serpent de feu. Annulation d'enchantement. Cône de froid. Oh, agrandissement de groupe, c'est sympa ça. Assassin imaginaire. Boule de feu contrôlée, corps élémentaire, cri, forme bestiale, invisibilité suprême, port dimensionnel, rapetissement de groupe, souffle du dragon. Tempête de grêle, waouh. Agrandissement de groupe. C'est fort. Voilà. On est fort. On est fort. Quelle heure il est ? Ouh, 4h30, on va s'arrêter bientôt. Ken, t'as fait des potions, hein? Non, c'est bon? Oleg, ok, on s'en fout. Wait, attends.
Est-ce que c'est Oleg qui vend le morceau d'armure? Montre-moi tes marchandises, fumier. Ah, la cuirasse d'assaut. Très bien. Follow if you dare. Ok. Maintenant, allez sauver la gamine. Parce qu'on a que 13 jours pour le faire, ou 12, je sais plus. I'm always ready. Salut Jean de Maillard. Ouh. Merci Maillard. Qui balance un raid. Les gens qui viennent voir du Baldur's Gate. C'est Pathfinder, Bob. Oh, ça va. Ah, quel enfer de route. On est obligé de passer par le bas, il n'y a pas de pont au-dessus. Pouah, quel enfer. Est-ce que pendant qu'on était parti, il y a des quêtes qui sont faites? Oui, Dieu merci. Ok, Durifi vient de la même réussite. Ouf. Renommée sur Golarion. Ah. Des gens s'intéressent à mon cul. Eh bien, qu'à cela ne tienne. C'est un mode aussi, les sacs de téléportation? Non, non. C'est le jeu. Oh putain, cette route. Bah allons-y. Bois le dragon sur la route. Ok. Je me rappelle pas de ce bâtiment dans mes games. Sans mentir. J'ai pas modé le jeu pour ça. Does it matter? Ah. Et le jeu vient de me planter deux dans les doigts. Vanilla. Bon bah très bien. Le jeu vient de planter, brave Jean. Et c'est comme qui dirait, l'occasion inespérée de s'arrêter là. Allez, du petit Alt F4 de la vie. T'as dit le mot mode, le jeu a pas aimé. Ouais, non, mais ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive. On ira sauver la gamine une autre fois. Bon, bah, ça va se faire. On a bien avancé quand même, on a fait du taf, faut pas déconner. C'était beau. Toujours est-il que je vous fais des bisous. Voilà. Je m'enfuis et je vous dis à demain 15h pour du Among Us. Hop. C'était cool, merci Pirolet. Oui, c'était détente, moi je joue pour mon plaisir.
C'est pouf, ça me vide la tête ces temps-ci, c'est fantastique. Allez, je m'enfuis. Hop, bonne nuit.